Bonjour à tous. Alors, il y a eu un petit ajustement technique par rapport à ce début d'émission. Je ne sais pas si on peut appeler ça une émission, en tout cas de cette sortie de résidence. Alors, pour nous, c'est une grande première. Je suis ravie de vous y accueillir. Je suis directrice d'exposition et le planétarium fait partie de mon périmètre, si je peux dire ça comme ça. Donc, je suis ravie de vous accueillir ici dans un format totalement inédit d'une résidence, de sortie de résidence d'artiste qui s'est déroulée au début du mois de janvier au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie. Alors, c'est la deuxième édition, on en avait déjà fait une l'année dernière pour l'incubation d'une œuvre qui s'appelait L'Altermonde et qui était une œuvre de Myriam Blau et de Sandrine Demier. Alors, cette année, on change de style, ça sera plus sonore. Ceux qui connaissent les deux œuvres vont sourire. C'est une œuvre, c'est un projet qui s'appelle Out of Mind, vous l'avez vu sur le petit carton d'introduction, qui est un projet porté par le collectif Exciter, un collectif on va dire audiovisuel pour faire simple, et un groupe musical iTunes. Alors, ce projet, on ne l'a pas développé tout seul. C'est de toute manière une philosophie de la Cité des sciences et de l'industrie. On l'a développé avec des partenaires, avec des gens qui s'y connaissent bien, notamment en résidence d'artistes, avec des partenaires planétarium de vieux complices, comme le planétarium, par exemple, de Vaux-en-Velin, vieux complices, le planétarium de Nantes, la SAT, donc la Société des Arts Technologiques de Montréal, Stéréolux, donc tout un rassemblement de personnes qui avaient envie de travailler ensemble pour donner de l'écho à cette résidence d'artiste et pour permettre un temps d'incubation plus long. Alors, évidemment, vu le contexte sanitaire, toute cette aventure a eu lieu en coulisses. Et alors que normalement, on aime bien terminer cette résidence par une présentation publique dans nos murs, nous sommes fermés, comme tous les lieux culturels en France, et on ne sait pas pour combien de temps. Et donc, on a voulu ouvrir une toute petite fenêtre ce soir et vous donner accès au travail qui a été fait pendant cette semaine. Et Christelle Barclay, donc du Planétarium, va vous en dire un petit peu plus sur ce magnifique projet. Merci Michel-Antoine pour cette présentation. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous accompagner pour cette sortie de résidence en ligne de l'œuvre immersive « Out of Your Mind » d'Ivy Exciters et iTunes. Alors, un petit historique d'abord, effectivement, l'appel à résidence croisée a été lancé en avril 2020 sous la brillante coordination d'AADN Art et Culture Numérique qui est basée à Lyon et que je salue au passage. Alors, l'idée de ces résidences, c'est de permettre aux artistes de créer une œuvre immersive sous un dôme pour différentes configurations sur un temps long afin de leur permettre de développer une offre avec une approche narrative un petit peu plus pertinente. En gros, éviter la simple démonstration technique. Alors, gros succès pour cet appel. Nous avons reçu une quarantaine de dossiers, pas toujours simples, effectivement, à départager, mais à la fin, il n'en reste que deux. D'abord, est assise du collectif franco-québécois NAME et que nous recevrons avec plaisir dans les différents lieux de résidence. Et ici présent, Out of Your Mind, DV Exciters et iTunes. Alors, après le planétarium de Vaux-en-Velin, c'est donc la deuxième étape pour cette œuvre en création. Je remercie Fabas, Sébastien Schnabel et Jérémy Bello d'être avec nous pour présenter cette œuvre en résidence. Alors, bonjour à vous trois, merci d'être avec nous. Bonjour. 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 Alors, on s'est quitté la semaine dernière. Alors, comment allez-vous et qu'avez-vous fait depuis, artistiquement, j'entends. Je ne sais pas qui commence. Fab. Allez,
a commencé. Moi, j'ai pris un peu de repos. Écoutez, c'est des choses qu'il faut faire, savoir se ménager un petit peu. Je travaille sur mes projets strictement personnels. Il faut se laisser un petit temps de recul par rapport à tout ce qu'on a fait. Donc, rien ne sert de ressasser ça. On prend le temps de digérer et on passera à la prochaine étape. Pour moi, voilà. Donc, pour iTunes. Ouais. Pour AV, on a fait quelques exports pour permettre d'avoir un petit dérush de la semaine, que ce soit par la captation vidéo des séquences qu'on a réussi à aboutir ou en tout cas qui sont pas loin d'être finalisées. Et puis un export également sur les différents logiciels que nous avons utilisés, pour notamment sur les parties génératives, pour pouvoir se les visionner. Et on a fait quelques tests avec Sébastien cette semaine dans notre petit dôme, je dirais, d'expérimentation pour confirmer, vérifier des choses. Et puis maintenant, on va également prendre le temps, comme Fab, de laisser décanter tout ça pour réattaquer une période de création dans les semaines à venir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Fabas et du coup Jérémy et Sébastien, est-ce que vous pouvez présenter les autres membres du projet qui n'ont pas pu être avec nous en cette fin d'après-midi? Alors, on va commencer par Fabas pour iTunes. iTunes, rapidement, on est un groupe de musique électronique, mais qui joue très live avec beaucoup d'instruments, malgré que ce soit de l'électronique. On a toujours aimé un peu trafiquer les sons et travailler sur les textures sonores. Et depuis le début du groupe, c'est-à-dire fin des années 90, 98, 99, on a attaqué des tournées dès le départ avec le parti pris d'avoir de la vidéo, de la lumière et un travail entre les différents techniciens son qui, dans la musique dub qu'on a amené en France, dont on fait un peu partie des premiers groupes qui ont participé à l'émergence de ce style, un rapport très étroit avec le technicien son, puisque c'est une musique qui a été créée par des techniciens à la base, en milieu des années 70, et qui arrivait en France simplement tardivement, en fin des années 90. Donc voilà, on a toujours travaillé l'interaction son et vidéo. Et donc on est un collectif de 5 musiciens à la base, et sur ce projet, on n'est que 4. Voilà. D'accord. Donc on avait Lionel Dumas. Voilà, alors pour la résidence de Paris, on est venu à deux. Hein. On ne travaillait pas encore la partie totalement live avec tout le groupe réuni, mais plutôt sur le travail en amont de création de la bande-son. Et on est venu effectivement avec Lionel qui travaille le sampling, le scratch aussi, le DJ. Et à côté de ça, il reste un batteur et un guitariste clavier. D'accord. Voilà. Ouais, merci. Pour AV, nous on est un collectif qui existe depuis un peu moins de 10 ans désormais, et on s'est retrouvé autour de la création multimédia. Alors moi je suis architecte, il y a aussi d'autres architectes dans le collectif, et puis des graphistes multimédia. Et ensuite c'est un collectif à géométrie variable dans lequel interviennent des développeurs, codeurs, musiciens, compositeurs. Et pour ce projet, on travaille à trois avec Jocelyn Fouché et Sébastien Schnabel qui est ici et moi donc sur la création. Donc on a un collectif de trois sur ce projet. Voilà. Donc, très bien, merci. Voilà, nous, notre corps d'activité, c'est le mapping architectural et l'exploitation de surfaces tridimensionnelles. On travaille sur l'immersion depuis quelques années. On a notre propre dôme et nos propres dômes désormais pour expérimenter notre pratique. Et on est très heureux de cette collaboration avec iTone, qui est un projet qu'on a dans les tuyaux depuis quelques temps désormais, et qui finalement a fini par prendre forme sous une coupole, sur une surface hémisphérique. Donc on est ravis de pouvoir aboutir ces dernières années de réflexion avec le groupe pour pouvoir faire émerger différents formats que vous allez pouvoir découvrir durant cette session online.
Et d'ailleurs, tu parlais justement des planétariums. Alors, en fait, le planétarium, on a parlé de la première partie de résidence, le planétarium de Vaux-en-Velin. La deuxième partie était donc au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour vous que ces salles aient une connotation forte vis-à-vis de l'offre qu'elles proposent, qui est celle de la science? Ou est-ce que vous l'avez abordé juste comme un support hémisphérique? Est-ce qu'il y avait non, de ce côté-là? Évidemment, il y a dans notre travail, alors bon, je parle pour AV, mais on est depuis quelques années très friand des passerelles que peuvent offrir, en tout cas, les connexions entre art et science. On rajouterait un troisième élément qui est celle de l'architecture et du patrimoine. On travaille l'architecture. C'est vrai que dans ce projet, on est vraiment dans une logique autour d'univers architecturaux singuliers, très orienté vers un voyage immersif au sein de villes, d'urbanisme, de cités dystopiques. Ce qui est intéressant dans le planétarium, c'est justement notre manque de connaissances. Alors, même si on est renseigné sur certains des sujets, on aborde la question stellaire comme des novices et plutôt dans une approche esthétique. Et on est évidemment intrigué par ces imaginaires. Et dans ce projet, en tout cas dans Out of Your Mind, on retrouve évidemment des passages, des images qui sont liées plus ou moins au cosmos ou à un environnement stellaire, mais qui sont complètement dépourvus de contraintes scientifiques. Ouais, pour rebondir, nous, pour côté iTone, la science, ben, j'ai envie de dire que la musique électronique et en fait toutes les musiques sont aussi nées de la science, hein, ou de la maîtrise du métal ou de différents éléments dans le passé, mais après l'électricité, puis l'informatique. Et que c'est tout à fait le travail d'iTone, comme je te disais, qui donc le dub à la base est même pas vraiment un style musical, mais plutôt une façon de traiter le son à travers la technologie, et qui n'a cessé d'évoluer. Et nous, le groupe, depuis 20 ans, on a toujours eu à cœur de toujours suivre cette technologie et d'en faire un outil créatif. Et après, il y a un autre concours de circonstances, comme disait Jérémy. Ce projet-là, on avait commencé avant même cet appel du collectif AADN, quand je l'ai vu passer, comme je suis sur Lyon. On avait commencé en amont sur ce travail-là, effectivement. Et ça a rebondi parce que, effectivement, le planétarium parle de l'espace, de science, des choses comme ça. Et dans notre sujet, c'était aussi un point de départ pour nous. C'est comme ça aussi que ça a résonné, l'idée de se dire, ben voilà, on avait commencé à écrire des choses qui étrangement étaient en synchronicité avec l'appel d'ADN et ce concept un petit peu du planétarium. Et voilà, donc là, ça a fait sens. Très bien. Et ben, avant de voir l'évolution de votre travail en résidence, je vous propose qu'on regarde un petit peu le reportage qui traite de cette résidence au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie. Et j'en profite pour remercier Isos Berger pour la prise de son et image et Roberto D'Alessandro pour cette réalisation et ce montage express. Un groupe de musique électronique qui vient de Lyon. On a commencé fin des années 90, un peu pionnier de la musique dub en France. On faisait partie des premiers groupes à faire une formule live où il n'y avait pas de chanteur, mais on mettait l'accent sur la vidéo, la lumière, le son, en interaction.
Je suis Jérémy Bello, architecte, et je travaille avec le collectif Avexciters. On est trois, issus des milieux graphistes, multimédia et de l'architecture. Donc on travaille le pixel comme un matériau de l'architecture. Sur ce projet particulièrement, on travaille sous dôme mappé, donc forcément le dôme c'est de la vidéo et du son. La particularité du dôme, ben, par exemple pour le son, c'est que donc, c'est une multidiffusion, les enceintes sont placées tout autour du dôme. Comme tout artiste, quoi, en échange, on essaie de travailler d'abord sur une trame, sur un fil conducteur, sur lequel chacun amène son contenu, on échange, on discute, et on affine comme ça, un petit peu en tâtonnant. C'est le but de la résidence du jour, hein. Un temps de recherche, quoi. Voilà, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais, c'est une belle rencontre et puis un moment d'échange sur une thématique commune et puis une réflexion qu'on a, je dirais, initiée il y a quelques temps maintenant. Et puis de développer avec un groupe qu'on affectionne depuis quelques années un projet commun, c'est une belle énergie collective. En tant que groupe de musique, on a toujours intégré de la vidéo, donc on a commencé basiquement, fin des années 90, par des écrans carrés, puis après on a cherché à éclater l'image de plus en plus pour éviter d'avoir cette image un peu écran de télé. Après le mapping est arrivé, on a commencé à faire des formes plus complexes. Mais par contre, on a toujours travaillé sur un plan frontal, le public, le groupe, l'image derrière le groupe. Là, on est complètement sur autre chose. Le fait de travailler avec des enceintes tout autour de nous, bien sûr que c'est plus du tout frontal, on n'a plus du tout le public et nous, on est carrément au centre du son, on est dans le son. Il y a autant de différences quand avant on travaillait en monophonique dans les années 60 et que la stéréo est arrivée dans les années 70 et que tout d'un coup on avait vraiment une image sonore. De la stéréo au 7.1 ou au 5.1, enfin aux différentes multidiffs qu'on peut avoir, c'est exactement le même gap qui se passe. Au lieu d'avoir le son qui vient vers toi, en fait c'est toi qui es au centre de l'image sonore. Et ça, c'est un vrai bonheur pour nous. Il y a vraiment cette dimension, un peu d'une troisième dimension qui arrive dans le son. C'est une première pour nous, c'était un peu le challenge de ce travail-là, de cette résidence. Et franchement, on est assez conquis. Et on a plein d'autres projets en tête déjà. Ouais, c'est un vrai challenge, l'immersion. On est complètement dans un autre processus de création. Nous, on travaille l'immersion depuis quelques temps. Et on a notre propre dôme, donc on a notre terrain d'expérimentation à l'atelier et on a réalisé plusieurs films. Mais à chaque nouveau projet, ce sont des nouveaux challenges techniques puisqu'on utilise des logiciels différents par rapport à nos créations habituelles de mapping architecturaux notamment, où on utilise des supports qui sont assez complexes mais qui sont tridimensionnels. Là, on a l'hémisphère, la coupole, qui est un support très, très particulier, une multitude de vidéoprojecteurs, une résolution importante. Donc ça demande un dispositif et un nombre de machines, notamment pour calculer, pour la partie générative également, des ressources importantes. Donc il faut bien réfléchir aussi à l'outil qu'on met en place pour le projet et pour pouvoir répondre aux ambitions, je dirais, graphiques, esthétiques, qu'on a envie de déployer sur chaque projet, en l'occurrence sur ce projet qui mêle à la fois la création d'un film avec un format de 30 minutes et puis une performance live qui là demande d'autres contraintes en termes de ressources. Thank you.
on avait déjà quelque chose en tête, on avait déjà esquissé un travail. Et du coup, on a repris ce travail-là. Et voilà, c'était la suite naturelle de prendre la suite de la phrase de cet album. Voilà, après, Time Has Come, c'est quelque chose d'assez évasif. On est parti au début d'un texte, effectivement, de Timothy Leary, qui parle un peu de l'univers, de l'espace-temps, de plein de choses. Et c'est, voilà, il faut un peu de poésie pour voilà, avoir une trame de départ, quoi. Ouais, c'est une belle phrase qui résume bien l'idée du projet. Une logique de sortir de son esprit. Alors on peut le prendre avec différents angles. D'un côté, une année compliquée sur 2020 où on a, je dirais, fait émerger le projet dans une période un petit peu le premier confinement, des réflexions autour de notre mode de vie, etc. Donc on raconte aussi une sorte de rite initiatique avec un rejet de sorte de ville, de ville-monde, de ville oppressante, un peu la Dark City, ou avec des références comme Blade Runner. On parle de sortir de l'esprit, soit nos mauvais souvenirs, mais aussi de s'évader, d'être plus dans une logique de rite. C'est assez hétéroclite, mais on raconte une histoire qui est celle de, voilà, je dirais d'un rejet d'une société oppressante, d'une ville oppressante, pour aller vers quelque chose de plus de l'ordre de la méditation, des rites chamaniques, voilà. Ça, c'est un peu l'axe, je dirais, qu'on a voulu développer au niveau visuel pour suivre une grosse partie des morceaux de l'album et puis créer un ensemble cohérent sur une temporalité de 30 minutes. À tout le monde d'avoir un dôme sous la main. Ça nous permet d'avoir une restitution son. Nous aussi, là, on travaille, on met cette enceinte avec un caisson de basse chez nous. On travaille ça déjà dans une config, une petite config de home studio. Bon, bah là, c'est le moyen d'être en restitution générale. Après, on appréhende, j'ai envie de te dire, dans les deux sens, là, parce que, effectivement, comme il disait, c'est des techniques. On a mis beaucoup de temps à régler la qualité de l'image optimale. Le son, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas le planétarium n'est pas homogène en France. Tous les planétariums n'ont pas les mêmes systèmes de diffusion image et son. Et c'est le vrai challenge pour nous d'arriver dans des cadres qui ne sont pas encore très homogènes au final. On sent que c'est quelque chose finalement un peu en marche. Chaque planétarium fait son travail dans son coin avec les moyens qu'il a. Mais en même temps, c'est hyper intéressant. Ça nous permet de dire comment on va pouvoir créer un système qui va pouvoir être polyvalent et jouer dans différents endroits. Des fois, on travaille un petit peu à l'envers où c'est un peu difficile, on court un peu après la technique et ces choses-là. Mais en même temps, c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on met en place des systèmes qui peuvent s'adapter à différents dômes, à différents planétariums. C'est vrai que les résidences à intervalles réguliers, ça nous permet aussi d'avoir le temps de digérer les temps de création et puis de pouvoir faire évoluer le projet de manière plus efficace qu'une seule résidence. Ça, c'est vrai que c'est un des points forts. Après, la temporalité, elle change beaucoup en ce moment. Donc, c'est vrai que ce que disait Fab, c'est très juste sur la question
des typologies. Il y a des niveaux d'inclinaison différents, il y a des positionnements de fauteuils différents, il y a des systèmes sont différents, des systèmes de projection différents. Donc nous, on essaie surtout de penser quelque chose qui puisse être générique, qui puisse marcher, je dirais, partout. Et surtout, dans des endroits qui sont, je dirais, plutôt libres dans leur manière d'orienter le public. Alors c'est vrai qu'on a notamment ici à la Cité des Sciences un rapport mono-orienté. On est sur un siège qui nous donne un point de perspective. On essaie d'avoir un projet qui garde ce point de perspective, mais qui en même temps puisse être aussi lisible dans d'autres positions, notamment sur des dômes comme à la Satosphère ou dans le nôtre, où on va avoir des fat boys ou des poufs, et puis on peut s'allonger un peu comme on veut et vivre une immersion collective un peu plus détendue. Le premier format, c'est celui qu'on avait imaginé quand on s'est rencontré la première fois. On est un groupe live, il fait de l'image, on va essayer de faire quelque chose de live. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'est quand même des choses qui sont très coûteuses, quoi, de faire venir tous les musiciens. Et les planétariums ne sont pas des lieux qui sont vraiment prévus à la base pour faire ce type de diffusion. Donc du coup, on s'est dit que ce serait bien d'avoir aussi des formules qui puissent permettre à tout le monde d'accéder à ce spectacle, par exemple pour des raisons de coût. On a eu tout de suite l'envie de se dire, est-ce qu'on pourrait pas faire une formule film comme ça se fait ici? Et donc on navigue entre ces deux, c'est-à-dire on propose une partie qui peut être très très live avec tous les musiciens, du VJing. Ça peut être aussi un film qu'on regarde comme ça. Et aussi, on a proposé un entre-deux, c'est-à-dire de faire quelque chose de plus, une forme VJ-DJ, si je peux me faire entendre comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul musicien qui vient, qu'avec des machines, on ne sort pas la batterie, les synthés, on joue moins live. Mais ce qui permet d'avoir une rencontre aussi avec le public, parce que ça nous intéresse, il n'y a plus des acteurs qui sont là. C'est la même logique sur la partie vidéo, hein. Sur la partie live, c'est un petit peu la même mécanique, puisqu'on a une partie générative qui, elle, va pouvoir s'adapter et se moduler. Et puis sur la partie film, évidemment, on a vraiment quelque chose de figé, d'assez concret. On a aussi une piste qui serait celle d'adapter. Alors on crée tous nos visuels également en 360, donc on réfléchit à l'idée de faire un cours, peut-être en format VR sous casque. C'est une des pistes qu'on s'est gardé sous le coude, puisqu'on évoquait la question des types de formats. Voilà, on a aussi cette idée, mais ça, ce serait peut-être dans une horizon plus lointaine. J'espère qu'on va pouvoir enfin réaccueillir du public, la chose la plus simple que je souhaite pour toute la planète, hein, que enfin la culture puisse de nouveau renaître et vivre. Nous qui sommes artistes, je pense, depuis tout le temps, moi j'ai fait que ça dans ma vie, c'est un sérieux coup d'arrêt, mais même mentalement pour les gens, pour tout le monde, hein, on a besoin de la culture. J'ai peut-être pas besoin d'exprimer vraiment quel est le rôle de la culture et l'homme, quoi, mais c'est quelque chose quand même qui nous différencie de l'animal, ce qui nous constitue depuis nos origines. Et voilà, ce coup d'arrêt-là, je pense qu'il fait mal. Donc j'espère que voilà, on va évoluer dans cette situation de crise. On porte des masques aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien te parler, te dévoiler mon sourire. Voilà. C'est important, c'est vrai que c'est un peu c'est le même chagrin actuellement, et surtout quand on se retrouve dans des lieux comme ça, on a une frustration toute particulière. Alors au planétarium de Vent-en-Velin, on a réussi à faire une restitution, c'était aussi assez compliqué, tout le monde masqué, etc. C'est vrai qu'on a envie de retrouver les gens, surtout qu'on raconte une expérience qui est une expérience d'immersion collective. Je parlais de la VR, c'est un outil qu'on n'aime pas trop. Donc c'est une piste de développement, mais ça se trouve on n'ira pas du tout au bout de ça, parce que c'est vrai que moi je fais un rejet de cet outil-là, parce que je trouve qu'il nous emmène franchement dans une forme de dystopie.
Ici, on est dans un rapport à l'immersion qui est une immersion collective. On est capable de regarder son voisin, de transmettre des émotions et de raconter son expérience collective à la sortie, ce qui est vraiment important, en tout cas pour faire société. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je rejoins Fab là-dessus. On a hâte de retrouver le chemin des expériences immersives collectives. Ça paraît déjà un petit peu loin, et pourtant. D'ailleurs, en parlant de temps, on a dit que cet appel à résidence croisée avait été lancé dans le but de laisser du temps aux artistes pour créer une œuvre immersive. Entre le début de la création, le passage au planétarium de Vaux-en-Velin, le passage au planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie, est-ce qu'il y a justement une temporalité qui est venue s'installer où vous vous êtes dit, bon, bah là, on fait un virage à 180 degrés, on s'est peut-être un petit peu trompé. Est-ce que techniquement, justement, vous vous êtes dit, est-ce que justement cette résidence a permis ce travail de recherche nécessaire? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Bah, comme je l'évoque un petit peu, on a commencé à se frotter un petit peu aux difficultés pour la partie son, par exemple pour iTone, des différents formats de diffusion sonore, et du coup de se poser la question effectivement des choix qu'on fait. Alors non, il n'y a pas eu de revirement, heureusement. On était quand même parti du départ sur une stratégie qui était quand même modulable et qui le permet, mais il y a quand même de vrais choix qui sont imposés, et voilà, pour notre part, en tout cas, c'est ça. Et pendant que tu as la parole, d'ailleurs, Fab, là, comme tu l'as dit, on espère bien retrouver nos publics, mais justement, cette résidence, elle a aussi vocation à déboucher sur une œuvre en public. Comment tu appréhendes cette salle, justement, qui n'est pas une salle classique de cinéma? Nous, on a déjà un tout petit peu expérimenté à Vaux-en-Velin, puisqu'on a eu la chance de pouvoir faire une toute petite sortie avec le public, qui était la première fois déjà que je jouais devant un public tout le monde masqué. Comme je te dis, moi, je suis musicien depuis 20 ans, et c'est vraiment le cœur du groupe, ça a toujours été la musique jouée live, partagée avec du public, vraiment un moment de rencontre dans une musique qui est faite pour ça. Donc du coup, bon, c'est ça, c'était un premier aspect. Et puis aussi, c'est vrai qu'on a toujours été un petit peu au centre de l'attraction, et la vidéo n'était qu'un habillage plus qu'autre chose. Et là, c'était un peu l'effet inverse. Les gens sont assis, complètement immergés, et on était assez intimiste à jouer comme ça. Voilà, sans que vraiment le regard soit porté sur nous, ce qui n'est pas désagréable, de défocuser un petit peu sur sa personne et d'appréhender d'une autre manière que la musique live, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un vrai plaisir en tout cas d'expérimenter dans ce type de lieu et d'avoir ce genre de temps. Là, notamment pour la diffusion en 7.1 ou en multidiffusion. Comme je l'évoque aussi dans le documentaire, c'est vraiment une petite révolution pour nous, et nous qui sommes, comme je le disais auparavant, férus de technologie, de nouvelles sensations, de nouvelles possibilités, on se régale. Surtout en ces temps en plus où on reste tous un peu enfermés et les projets ne sont pas forcément évidents. Donc à chaque fois qu'on a eu une résidence, et ben, voilà, c'est du bonheur d'avoir l'impression de continuer et d'avancer. Voilà. Sébastien, ouais, Jérémy. Pour nous, c'est pareil, c'est toujours des moments qui sont agréables, parce que même si
on a l'habitude de travailler dans des dômes. Il y a plein de mouvements de caméra, de positionnement, de choses qui sont vraiment super sympas de pouvoir tester ça et de, surtout de pouvoir rentrer dans le dôme, de pouvoir agir en temps réel et de vraiment se rendre compte du travail qu'on fait, de tester ça directement sur place, d'adapter des mouvements de caméra, des vitesses, des choses qui sont un petit peu difficiles quand on travaille devant son écran ou on est devant un petit écran où là on est sur des surfaces qui font plusieurs centaines de mètres carrés, donc c'est pas du tout le même rapport d'échelle. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence. On parle des dômes. C'est vrai que nous on a des dômes qui ont des géométries variables et la diffusion en fonction de l'échelle n'a rien à voir. Donc c'est toujours intéressant d'expérimenter dans des échelles différentes et puis des points de vue aussi différents, puisque c'est vrai qu'entre la SAT ou même notre dôme sur le programme immersion où on a, je dirais, un positionnement aléatoire en tant que spectateur, les planétariums offrent des dispositifs différents, soit concentriques, soit mono-orientés, et dans ce cadre-là, évidemment, on a la possibilité d'expérimenter des perspectives, des mouvements de caméra, ce que disait Sébastien très justement, différents. Donc, on a la chance de travailler maintenant avec des outils qui permettent de faire des images de manière générative. Ça nous permet aussi d'adapter finalement à minima notre création au contexte. Et là, on a profité de ce planétarium incroyable qui en plus a un calpinage géodésique, donc on était assez fan. Et c'est vrai que du coup l'outil, en tout cas l'outil et la différence qu'il va y avoir entre les différents planétariums et, je dirais, nos dômes plus dédiés en tout cas aux arts digitaux, aux arts numériques, c'est intéressant de venir hacker aussi des espaces dédié à d'autres usages. Voilà. Et on l'a dit tout à l'heure, cet appel aussi essayait de privilégier l'aspect narratif, parce qu'il est vrai, vous le savez sans doute, dans ce type d'appel à projet, on se retrouve finalement avec des offres qui sont des démonstrations techniques. Comment vous essayez d'éviter cet écueil et d'ailleurs, quel est le propos narratif de cette œuvre, Out of Your Mind? Alors, c'est vrai que c'est intéressant comme point de vue parce que nous, on utilise le dôme pour différents types d'usages. On a évidemment des projets qui ont toujours des thèmes à aborder. Ici, on part d'un album, celui d'Aitone. Aitone a recréé toute une bande son qui du coup nous permet de partir sur un format qui est un format de film. Ensuite, il a fallu écrire et cette écriture, elle s'est faite au détriment de certains morceaux, dans la création d'autres éléments sonores et puis de notre côté d'une écriture qui a d'ailleurs beaucoup évolué depuis le dépôt de l'appel à projet, puisque on avait un projet qui était vraiment autour de l'homme et de sa genèse avec un point de départ qui était un petit peu, je dirais, bateau, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus pointu sur la question de la réflexion des cités dystopiques, de comment on allait représenter des formes de rituels avec des systèmes de particules. Ce qu'on voulait raconter a beaucoup changé entre le début de l'année 2020 et puis finalement là la semaine passée, là, on est rendu à début 2021. Forcément, le mood de 2020 a beaucoup fait évoluer la trame. En tout cas, on passe plus de temps à traiter la question de la critique sociétale ou d'un univers dystopique. On a passé beaucoup de temps à créer une ville générative et de se déplacer dedans pour raconter finalement notre période un petit peu trouble. Et puis, j'espère que, puisqu'il nous reste encore des tableaux à écrire visuellement, même si des morceaux sont prêts, le processus de création n'est pas fini, qu'on va être dans une période un petit peu plus positive qui va nous permettre de sortir aussi des visuels, je dirais, plus optimistes, voilà, ou plus joyeux. Pour la partie d'Aitone, nous, il y a quand même une continuité. Tu parlais du discours. Ouais.
c'est qu'on a toujours fait une musique du coup sans texte et en fait qui était beaucoup une musique évocatrice. Et en fait, c'est aussi aux gens de faire leur cheminement en laissant beaucoup d'espace de libre. Et c'est ce qui est revenu sur tout au long de notre carrière, c'est la force évocatrice juste du son en lui-même, sans pourtant y mettre aucun contenu de texte ou quoi que ce soit. Et pour en avoir discuté beaucoup avec les publics, la façon dont s'approprient les gens, voilà, la puissance évocatrice, ne serait-ce que du son seul. Et on travaille beaucoup, voilà, sur des notions avec le groupe qui ont toujours été de mettre un petit peu un côté très tribal, chamanique, voire mystique d'un côté, et d'un côté une musique très urbaine qui peut être aussi froide. Et en fait, voilà, c'est ces allers-retours entre des choses comme ça, très, 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 qui paraissent très séparées, et d'arriver à les unir, voilà, fait sens depuis le départ de notre carrière. Et je pense qu'on navigue aussi un petit peu dans cette notion. On continue, nous, de faire ce qu'on a toujours fait. Et on s'appuie, et maintenant, on s'associe avec Jérémy. Et c'est, lui apporte voilà, un peu d'image, mais je pense avec un peu le même... même logique. C'est vrai qu'on travaille beaucoup c'est la question de l'abstraction. On a des visuels qui implique un regard, c'est un voyage. Évidemment, nous, on est passionnés de géométrie, on est passionnés de structures polyédriques, on est passionnés par les structures géodésiques, par l'influence d'architectes comme Buckminster Fuller, etc. On retrouve ça dans nos visuels. Sur un 30 minutes, on vient donner des points d'accroche. Quand je parlais vraiment de la cité, c'est parce que c'est assez rare qu'on travaille de manière figurative, puisqu'on n'est pas des concepteurs de films d'images de synthèse VR. On travaille la plupart du temps dans des dispositifs liés aux arts mathématiques, à l'abstraction, etc. Donc, c'est un exercice particulier. Mais il y a des teintes, et dans l'univers d'Aitone, il y a des teintes sonores qui nous envoient des images. Certaines fois, nous, on les a traduites par des images abstraites, et puis certains morceaux par des images concrètes. Et on essaie d'avoir une continuité pour créer un film qui soit homogène, puisque ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans la question de ces espaces de diffusion immersive, c'est qu'on est... Alors, ça peut arriver qu'on ait un format debout en mode danse, etc., mais on est statique. Donc, c'est vrai qu'on est moins dans une forme de transe ou de mise en mouvement du corps. Voilà. Donc, on a besoin aussi de créer des respirations. Il y a des moments où il y a moins d'images, où c'est plus apaisé, etc. Et puis, une continuité, parce qu'on part sur un format quand même de 30 minutes. Donc, c'était très intéressant de pouvoir... explorer des tableaux figuratifs. Il y en a très peu. Il y a ce travail autour de la ville et puis un travail qu'on est en train d'initier autour d'une tour de Babel infinie, mais qui va de toute façon prendre un virage abstrait sur la fin du morceau, sur le morceau Babylon Empire qu'on peut retrouver sur l'album d'Aitone. Donc c'est très intéressant pour nous aussi d'aller un petit peu dans le figuratif malgré tout, et de se poser ces questions de l'imagerie et de ce qu'on a vraiment envie de raconter avec ça. Jérémy, d'ailleurs, tu parlais de la ville. Une scène comme celle-ci, alors Jérémy ou Sébastien, une scène comme celle-ci, elle prend combien de temps pour être mise? Combien de ressources de l'ordinateur ou... Par exemple. Combien de temps, je ne sais pas. C'est difficile à dire. Après, on travaille sur des logiciels comme Unity. Ça va nous permettre C'était une des questions posées, justement. Voilà, de pouvoir aussi adapter ce projet sur d'autres formats. On réfléchit, on prépare les caméras en temps réel. On a ressorti des exports pour du 360, mais le voyage peut changer en fonction de l'humeur, j'ai envie de dire. Le temps, c'est le temps de la modélisation, de l'assemblage. Là, ça a été pensé un peu comme une ville comme Dark City, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de socle terrestre, elle est en lévitation dans les nuages. C'est presque une terre plate, une terre à fond plat, et puis on se retrouve finalement dans les méandres et on circule au milieu de cette ville imaginaire. On a quand même encore du travail sur cette séquence-là qu'on va venir glitcher, retravailler sur certains aspects, etc.
Donc là, ce que vous avez vu en image, ça reste un work in progress par rapport à la version définitive. Mais oui, ça fait depuis un an qu'on bosse sur le projet avec des périodes de travail, je dirais, cumulées de environ un mois et demi de travail cumulé sur la création de ces images. Et je pense qu'il nous reste au moins autant. Mais l'important, c'est de laisser infuser entre les différentes étapes. C'est vrai que le dernier film qu'on avait réalisé avait pris 2 ans à se faire entre les différentes résidences à la SAT, etc. La création sous dôme, c'est quelque chose d'assez long, finalement. Il paraît. Fab, alors je n'ai pas posé la question peut-être à Sébastien, mais pas à Jérémy, parce qu'il nous a déjà expliqué que la VR, ce n'était pas, n'était pas très fan, parce que ce n'était effectivement pas un outil, pour l'instant en tout cas, collectif. Est-ce que dans le son, vous commencez un petit peu à réfléchir à une insertion dans ce nouvel outil? Oui, tout à fait. On commence à regarder les outils qui permettraient effectivement, bon, ça s'appelle l'ambiphonie, et c'est une technique qui permet dans un casque de restituer un petit peu cette sensation de son en multidiffusion qu'on a effectivement dans les planétariums ou à la SAT, donc de donner des impressions d'arrière, de devant, de droite, de gauche, mais c'est pas la simple stéréo, c'est quelque chose de plus puissant que ça. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est une piste, l'ambiphonie, qui sera très bonne et que malheureusement, sur ce spectacle, on va le faire peut-être pour le casque ou des choses comme ça. Mais effectivement, la question dont on posait du fait d'avoir 7 enceintes ou 5 enceintes ou 124 enceintes disposées, nous, ça nous demande beaucoup de difficultés quand même là maintenant et des choix à faire et des choses à combiner. Et avec ce système-là, je pense à l'avenir, donc là on parle de technologie et de ce qui va arriver, mais il y a déjà des systèmes qui se mettent en place. On pourrait effectivement créer directement dans un espace qui ne définit pas le nombre de points d'enceinte, en l'occurrence, de haut-parleurs, et de juste placer des sons, et puis après, c'est dans un deuxième temps, que selon, on va dire un peu comme en image, le pixel, bah là, le nombre d'enceintes qui te permettent d'avoir du son à 360 degrés, de voir effectivement à adapter ça plus facilement. Donc voilà. Donc nous, pour l'instant, on navigue encore, comme c'est des nouvelles technologies, avec ce qu'il y a. Je sens que effectivement, c'est quelque chose qui va se démocratiser avec des outils qui vont devenir de plus en plus accessibles et faciles, et que les gens en font de plus en plus. Ouais. Ouais, si vous voulez, la question de du travail du son, bon là je fais une petite aparté, mais c'est vrai qu'il y a encore des choses à travailler sur la SPAT avec des outils qu'on peut avoir en main, justement des outils propriétaires qui existent déjà ou des travaux comme celui de Fraction qui a développé des patchs qui sont hyper intéressants pour justement nous accompagner la spatialisation dans les dômes spécifiquement. Le point de vue sur la VR, il est vraiment lié au fait qu'on galvaude la question de la thématique de l'immersion en parlant de la VR, alors qu'on est finalement dans un simulacre, puisque l'immersion est d'abord physique avant d'être virtuelle. Et surtout, mon rejet du casque, il est plutôt lié à l'objet en tant que tel, et au fait qu'on ne peut pas se renfermer dans un objet physique et dire qu'on est dans une pratique immersive. Alors, je parle de la pratique immersive collective, mais c'est plutôt le parallèle entre VR et immersion qui a finalement à dénoncer. Quoi. Non, je fais une petite parenthèse parce que je viens de recevoir un SMS de mon technicien son qui me dit que ce n'est pas de l'ambiphonie, mais de l'ambisonie. Sony. Voilà, donc je rectifie. J'aurais pas pu te contredire. On va taper sur les doigts, voilà, c'est un peu. On se sent beaucoup mieux là. Ah, ça va mieux là. Merci pour cette précision. Sébastien, tu voulais peut-être... Oui, on aura le ballon, on aura toute la partie live aussi qui sera intéressante du coup de jouer avec cette spatialisation, qu'il y ait une résonance avec les visuels quand eux sont justement sur scène, qui déclenchent un effet, des choses comme ça, qu'on pourra augmenter aussi pendant les représentations live et de jouer justement sur la spatialisation dans les différents planétariums et vraiment d'adapter ça pour que ça matche à chaque environnement. Alors là, j'ai une question d'un collègue.
Seb, on t'a vu transpirer en début de semaine avec notre responsable technique, car en début de semaine, on a eu beaucoup de problèmes pour voir l'image en haute résolution, 4000 par 4000 pixels sur la voûte. Et en milieu de semaine, on t'a vu sourire en ayant enfin cette projection 4K sur un dôme de 21 mètres. Est-ce que tu peux nous donner tes sensations? Ouais, bah c'était bien. C'est sûr qu'en arrivant, bah, vu qu'on était les premiers à rentrer dans le système du planétarium, on a un petit peu essuyé les plâtres avec la mise en place justement d'acquisition. On peut parler de techniques de sortie HDMI, NDI, de différentes choses qui étaient pas tout à fait. Qui n'était pas tout à fait au point quand on est arrivé, et du coup qu'on a réglé au courant de la semaine. Et puis c'est sûr que c'est agréable de sortir en 4000 par 4000 à 60 fps pour les connaisseurs dans un planétarium comme ça, et surtout qu'on a beaucoup de choses, on a de petites particules, de petites étoiles, donc c'est agréable d'avoir une belle définition. Et puis un grand merci encore à toute l'équipe du planétarium aussi qui s'est démené pour qu'on arrive à faire marcher ça, quoi. Et c'est sûr que quand on est les premiers, c'est toujours un petit peu délicat. Nous, comme disait Jérémy, on a la chance aussi d'avoir nos propres dômes et de notre système qu'on a mis en place. Donc, on connaît un petit peu comment ça marche, comment arriver à dépatouiller les choses aussi. Donc, c'était super agréable, en tout cas. En tout cas, c'est bien d'avoir Heavy Exciters comme cobaye qui essuie les plâtres au planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ça, c'est du luxe. Voilà. Pour les prochains, ça sera parfait. Dès lundi, ils vont faire 10 à l'année. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Il y a une petite question qui nous taraude quand même un petit peu. Jérémy, tu es à Strasbourg. Fab, vous êtes à Lyon. Non, moi, je suis à Beaugency maintenant. Ah, t'as encore changé. Oui, j'ai déménagé. J'arrive pas à suivre. Et Sébastien, tu es à Casablanca. Comment vous faites pour travailler ensemble? Il y a beaucoup de choses. On se fait. Téléphone. En ce moment, comme c'est la mode des réunions Zoom, ça arrive assez souvent. Et on a quand même la chance d'arriver à se retrouver, que ce soit sur des résidences ou sur des projets en commun. Donc, on arrive quand même à se retrouver. Et puis, comme il y a beaucoup de choses qui sont de toute façon virtuelles, on échange effectivement beaucoup. On a notre petite Dropbox pour le projet, des échanges sur WhatsApp. On était déjà dans ce mode, quand même, dans ce mode de fonctionnement, vu qu'on est tourné, on est un peu tout le monde du collectif, on est assez dispatché, assez mobile. Donc, on avait l'habitude déjà de travailler en fait dans ce format-là, quoi. Vous étiez prêt pour le confinement. C'est parfait. Un peu pareil pour iTone. On n'avait pas attendu le confinement et on a la chance en tant que musique électronique de pouvoir travailler à distance, de s'échanger des choses, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas juste que dans le temps réel, quoi. Donc du coup, ça fait déjà longtemps qu'on avait mis des stratégies en place de travail à distance, ce qui est fort agréable pour un groupe, parce que c'est bien d'être tous ensemble, mais c'est bien aussi de pouvoir prendre du recul et d'être un peu dans son coin à travailler. Et nous, on a développé ça depuis longtemps avec iTone, cet aller-retour entre un travail personnel, tranquillement chez soi installé, et un travail avec des temps de groupe où on est tous réunis dans un lieu. Donc, c'est la continuité de ce truc-là pour nous. Bien sûr, on souhaite se voir un maximum. C'est ça. On aimerait bien plutôt passer du temps ensemble. Voilà, donc cette partie-là, on savait faire. Maintenant, c'est vrai que nous, à la base, c'est vraiment lié à l'expérience du concert live. Donc, on a besoin de se mettre dans la foule et d'aller manifester sa vie, donc comme ça, ça me permettra d'aller faire un bain de foule. Voilà. En tout cas, on a hâte de voir ça dans le dôme du planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, puis dans tous les autres dômes où vous aurez la chance d'être en résidence. En tout cas, merci beaucoup à vous trois de vous être rendus disponibles pour cette sortie de résidence en ligne.
Bon, merci également à Nadine Macris, Cyrielle Tissandier et toute l'équipe d'ADN Art et Culture Numérique à Lyon. Les autres partenaires de l'appel, je vais essayer de les citer sans oublier, le Planétarium de Vaux-en-Velin, de Nantes, la SAD de Montréal et Stéréolux à Nantes, les équipes du Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie, Cyril Birnbaum, les équipes et les éditions Transmédia et bien sûr les régisseurs de l'éditorium pour ce direct. Je pense n'avoir oublié personne. Ben, je vous dis à très bientôt. La prochaine fois en public, on l'espère. Merci aux internautes qui nous ont rejoints. On a hâte de vous revoir. N'hésitez pas entre-temps à parcourir l'offre culturelle en ligne. Vous allez voir, elle est innovante, elle est foisonnante. En attendant de nous revoir, et puis je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.